Le Cognacien moyen est particulièrement bien représenté dans la région d'Etretat, mais son étude est souvent rendue difficile par les irrégularités de la stratification. La coupe présentée ici est une des plus régulières et peut servir de référence. Elle se situe entre le roc vaudieux et la pointe dite du trou à mine. Elle comporte des niveaux de silex disposés de manière rythmique. La coupe débute à la base de la falaise par un hard ground. Hard ground courtine. Celui-ci est localement peu apparent. Il correspondrait au Hardground Light Point en Angleterre. Il y fait suite sept séquences créées silex comportant des niveaux de zoophycos. La coupe se poursuit par une couche à silex dispersée, suivie d'un silex très marqué, le silex Shoram, et un niveau de bentonite, la bentonite Shoram. La maintonite Shoram marque la limite entre le cognacien inférieur et le cognacien moyen dans le Sussex. Au-dessus du niveau Shoram succèdent 18 séquences CRÉSILEX hémimétriques, ici sans interruption, ce qui n'est pas le cas latéralement, car un hardground, le hardground belval, vient s'intercaler dans cette série monotone. Il correspondrait au hardground nostrils de l'île de Wight. Un mince niveau marneux à peine perceptible couronne cette suite. Il équivaudrait à la Marne Beltou numéro 1 en Angleterre. Les silex suivants ont la particularité de se disposer selon certains motifs et ces motifs restent constants sur plusieurs kilomètres de distance. Donnons par exemple des noms à ces motifs à la base la petite séquence à la partie moyenne, la grosse séquence, et au sommet, la double paire. Cinq séquences au-dessus apparaît un niveau marneux peu marqué, mais qui prendra de l'importance entre hypor e et fécamp Cette marne est appelée ici marne l'Éloge et elle correspondrait à la marne Beltou numéro 2 en Angleterre. La marne l'Éloge Beltou numéro 2 et fréquemment encadré par deux silex épais. C'est au dessus de cet ensemble que se place une couche fréquemment infectée de désordre. Ici, il ne s'agit que d'une simple dispersion des silex dans la craie, mais latéralement, on observera des structures plus spectaculaires telles que des slumpings ou des paramoudras. Les séquences suivantes sont au nombre de trois ou quatre ici, mais elles ont pu être plus nombreuses. En effet, un hard ground les recouvre et il a pu en faire disparaître un certain nombre. Ce hard ground est appelé hard ground vatoto, ici. Il correspondrait au hard ground anvil que l'on suit par exemple à l'île de White. Latéralement, ce hard ground peut avoir une activité érosive très importante et former des cuvettes profondes. Les six séquences supérieures n'offrent pas de particularité sauf que les deux dernières couches de craie forment une bande plus claire dans la falaise et que la couche supérieure montre un fin niveau marneux mis en valeur par l'érosion. Il peut s'agir de la dernière des marnes Beltou, la marne Beltou numéro 3. Au-dessus de la marne Beltou numéro 3, la rythmicité a tendance à s'effacer, un ou deux hardgrounds plutôt discrets viennent s'intercaler. Ils sont ici désignés sous les noms de hard mouette mouettes et ils n'ont pas d'équivalent encore identifié en Angleterre. Le dernier niveau repère, clairement observable vers le sommet de la falaise, est un niveau de silex très épais, sans doute supérieur à 50 cm. À distance, son aspect n'est pas massif, mais plutôt grumeleux. Il amorce une nouvelle série riche en silex. Ce silex est désigné ici silex Froberville. Sa singularité le rapproche immédiatement du silex Seven Sisters dans le Sussex, encore appelé silex Eastcliff dans le Kent. En conclusion, dans cette falaise, entre la marne Shoram et le silex Seven Sisters, nous avons pu observer le cognacien moyen dans le faciès du bloc de co.